Joseph a vécu ça avant toi. Ça fait mal, hein? Ça fait extrêmement mal. Il y a des choses dans la vie, j'ai envie de te dire, il faut pas les regretter. Je fais du bien, j'ai fait du bien à telle ou telle personne, mais il m'a rendu le mal, par exemple. Frère, laisse ça, avance. Si c'est Dieu qui conduit ta vie, avance seulement. Dieu est en contrôle. Il y a un temps marqué où le don que Dieu t'a donné sera révélé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tant que ce n'est pas le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Continue de travailler, continue d'aider les gens, continue vraiment de mettre à contribution ce que Dieu t'a donné. Dès que tu entends, on a besoin de telle compétence. Il dit, hé, ça me concerne, frère, pour. Tu vas pas dire, oh non, j'ai pas de temps à perdre, j'ai d'autres choses à faire, etc. Oh là là, monsieur. Frère, je dis, tu ferais mieux de courir. Bon, 2 ans après, la Bible dit que Pharaon fait venir tous les magiciens, tous les sages du royaume d'Égypte. Il leur raconte les rêves, mais personne ne peut expliquer à Pharaon c'est quoi ces rêves-là. C'est là. Dis avec moi, c'est là. C'est maintenant. La Bible dit, c'est là que le chef des échansons se souvient maintenant de Joseph. C'est le moment. Au mois de novembre. Frère, l'année n'est pas finie. Dans cette année 2016, d'ici le 31-12, je déclare au nom de Christ Jésus, quelqu'un se souviendra de toi. Amen. Je dis, quelqu'un se souviendra de toi.